Allez, arrête de taire, viens. Ajoute maurice.usa sur Skype. Tu as des choses à dire, mais tu n'oses pas parler. Envoie un message à maurice@mauriceradiolibre.com. Tu vois, le fait que là, les pays du Maghreb, il y a d'autres pays qui jouent pas le jeu, en fait, qui nous enfument et qui nous laissent des mecs qui, pour certains, sont des délinquants. C'est pour ça que je crois pas en la différence de nationalité. Parce que la différence de nationalité, bah, quand ils ont la double nationalité, ça va être pareil. T'as beau les déchoirs de la nationalité. Si à un moment, leur deuxième pays les accueille pas et n'en veut pas, je sais pas trop ce qu'on en fait. Ben, c'est pour ça, il faut les mettre dans les jardins des ambassades. Parce que les jardins des ambassades sont le territoire du pays. Et à partir du moment où le mec est sur le territoire du pays, ne peut plus entrer sur le nôtre. Donc ça fait en plus de ça que le voyage de ces gens-là de retour chez eux sera payé par leur pays. Ce sont eux qui, pendant les recours, etc., vont nourrir les mecs, vont les avoir dans leur jardin, vont s'en occuper, vont subir les dégradations, parce que c'est très bien d'avoir une belle ambassade avec des beaux rideaux et tout ça, mais si on met tous ces gens-là là-dedans et qu'on les empêche de sortir de ces jardins, qu'on les assigne à résidence, qu'on les oblige à rester dans leur pays, donc leur pays d'origine, qui est bon pour ceux-là, c'est le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Je pense qu'à un moment, les ambassadeurs seront obligés de faire quelque chose, parce qu'ils vont subir. Ils vont subir la gêne. Parce que ces mecs qui sont... je parle principalement des délinquants, en tout cas de ceux qu'on ne veut pas chez nous. Ces mecs-là, ce sont les Français, en fait, qui les subissent. Alors que sur notre territoire, il y a des ambassades, des consulats de ces pays-là. Il faut les mettre là-bas. C'est comme ça, ce sont eux qui vont... Ce sont leurs représentants qui, directement, vont subir la présence de ces gens-là chez eux. C'est impossible, Maurice. Pourquoi? Ça concerne des milliers de personnes. Moi, je veux les foutre dans Ils ont des grands jardins. Ils ont des grands jardins. Ils ont des grands jardins et à un moment, il y aura trop de monde. Et ce sont eux qui vont se débrouiller pour s'en séparer. Ah, tu n'es pas d'accord? Bien vite. Alors, tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.